Amandine Pélissard a donné naissance à son 9e enfant le 6 août 2023. En attendant de pouvoir amener sa petite Maëna à la maison, la maman a pu retrouver le reste de sa famille. Elle connaît le bonheur pour une 9e fois. Amandine Pélissard a accueilli une petite fille baptisée Maëna le 6 août 2023 à 21h22. Née de façon précoce, bien avant terme, l'enfant doit rester, pour l'heure, chaudement installée à l'hôpital où elle bénéficie d'une surveillance très sérieuse et des soins nécessaires. Ses parents, Amandine et Alexandra, vont devoir enchaîner les allers-retours en attendant de pouvoir la recevoir à domicile, et sa maman a finalement eu l'occasion de retrouver les siens. Avant de revenir voir son bébé, plus tard. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Amandine Pélissard se filme alors qu'elle est sortie de la maternité et qu'elle rentre enfin à la maison. Le titre Le sens de la famille, de Grand Corps Malade et Leila Bekti a été choisi en toile de fond. Sur ces images, l'ancienne star de l'émission Famille Nombreuse serre ses enfants dans ses bras un par un, sauf la petite Maëna, bien sûr, qui restait à l'hôpital. Mais dans les commentaires, outre les nombreux messages de félicitations, Amandine Pélissard a reçu certains reproches, notamment celui de ne pas faire de câlins à certaines de ses filles et certains de ses fils, ce qui est faux. Sortant de ses gonds, Amandine Pélissard a tenu à répondre à ses détracteurs. Faut arrêter de dire n'importe quoi, si est-il désolant d'avoir affaire à des gens comme vous, explique-t-elle. Cette bonne femme est à vomir, j'ai demandé un examen pour fermer son compte, ajoute-t-elle, à propos d'un autre commentaire désobligeant. Si est-ce inqualifiable ce manque de respect et cette violence. Les êtres humains me dépassent, quelle honte, à vomir. Quand l'humanité s'est-elle perdue à ce point? Difficile d'imaginer, effectivement, que la petite Maëna grandira dans un monde rempli de haine. Pour un peu de baume au cœur, Amandine Pélissard a heureusement reçu la visite de son troufillac, à Capoin à Jerem Star, venu à domicile pour tester les cartes à gratter senteur très intime de la maman. Un peu de lumière, après l'ombre.